Salut, ici PRJV 13 et bienvenue aujourd'hui sur Dracula, la voix du dragon. On s'était laissé sur cette charmante petite chauve-souris, puis C'est bloqué. Ouais, c'est ça. Je peux rien ramasser dans ces affaires-là. Il manque l'aiguille. Oh non. Inutile d'emporter cet appareil si je suis incapable de le faire. Ouais, bon. Y'a rien d'autre à checker déjà? Non? Ok. Excusez-moi, tu fais un petit bout de jouer là. Bon, on va aller voir en bas. Je vais dire à madame s'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Je me rappelle même plus. C'est la coutume. On fait toujours ça quand quelqu'un est mort dans la maison. Ah. C'est tout? Ouais, je m'attendais à un peu plus de trucs élaborés. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici, ouais? Bon. À part de ça, mon petit sac de chips. Bon, rien d'intéressant. Les mêmes speeches que l'autre fois, me semble. C'est quoi, médaille, crochet, monnaie ancienne, bois. Rien d'intéressant. Donc, je vais checker s'il y a de quoi qui pourrait fonctionner. Peut-être pas la Bible, hein? Peut-être ça. Non. Il manque l'aiguille. Inutile d'emporter... Non. Ok, non, ça c'est juste des trucs de moi. Une fois la chaînette enlevée, la médaille de Stéphane s'encastre exactement dans l'évidement. Oh. Je sais pas comment les gager les couleurs. Avec quoi je gage ça? Ok, on va y aller au pif. Bon, peut-être qu'il faut toutes les mettre d'une autre couleur. Je déteste ces puzzles-là. Non, ça marche pas. J'ai-tu des notes, quelque chose qui peut m'aider? Non. Fudge. Mais non. Oh. Où est-ce que je m'en vais avec ça, moi? En tout cas, on va aller voir ailleurs. Peut-être qu'il y a un indice, je sais pas, qu'il y a pas d'autre. Probablement qu'il faut que je sorte. Je sais même plus où ce qu'il est. Non, pas le train. J'ai tourné en rond, moi, là. Alors, c'est assez mélangeant, tous ces chemins-là. Cimetière, non. Je suis pas sûr qu'il y ait de quoi au cimetière. Oh. On va checker. À part de ça, oh, le doudou pas ici, il était à l'auberge. Vulnérant omnes. Non. Y'a rien pour m'aider nulle part. Ouais, le seul truc de couleur qu'on a ici, c'est le drapeau rouge, jaune et bleu. Sinon, je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre. On peut toujours checker. Non, ça marche pas. Ah! Je l'ai eu! Je connais déjà ces documents.
Luca me les a montrés dans le salon de l'auberge. Ok, pourquoi il laisse ça d'abord? Qu'est-ce que j'ai ramassé, moi? Ok. Prends ça. Ah non, il veut pas. Hey, c'est du grossage de PC, Chris, c'est ça, moi, que j'avais mis tout... J'ai tout mélangé mes couleurs. Bon. Est-ce que toi, t'aurais quelque chose à me dire? En parlant, là... Je peux pas aller là. Hey, le doux qui creuse des tombes ou disparu. C'est chelou ici. Chelou, je vous dis. Je suis heureuse de vous voir. Je pensais à ce malheureux Stéphane Luca. Ce qui lui est arrivé est épouvantable. Vous avez raison. Je t'avais pas déjà parlé. Si la police ne fait rien, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Vous pouvez compter sur mon aide. Merci. Pour découvrir la vérité, je serai contraint de vous poser des questions parfois indiscrètes. Je me rappelle pas si j'ai parlé tout ça, fait que désolé si vous réentendez toutes ces speeches. Il semble que tout soit resté ici. Ses vêtements, ses livres, ses tableaux, ses souvenirs de voyage. J'ai tout serré dans les placards car je n'ai pu me résoudre à rien jeter. Quant à ses oiseaux et à son chien, je les ai adoptés. À moins que ce ne soit l'inverse. Du personnel de la Fondation Vénissier est venu faire le ménage. Personne d'autre à ma connaissance. Je crois que Martha n'avait pas de famille. La voix du dragon? Non, cela ne me dit rien. Ok. Je n'ai rien trouvé de tel. En Turquie? Il y a bien cette carte, dans le tiroir de la commode. Attendez un instant. Regardez ce ticket de chemin de fer. Je l'ai trouvé glissé dans une carte de Turquie. Bon. Regardez la terre et suivre la lumière bleue afin de tracer le symbole des anciens. Souvenir d'un voyage de Martin en Turquie. Voyez la carte maintenant. La ville d'Urguyurt, mentionnée sur le ticket, se trouve au nord de la Turquie. Maria, vous m'avez rendu un grand service. À présent, je sais où je dois aller. Bon, enfin, ça avance. Il tourne en rond par la route pour rien. Sur les traces de Martha, j'ai pris le train pour Bucarest, puis Constantinople. Une dernière étape m'a conduit à Urguyurt, la gare la plus proche de l'antique prison de Dracula. Mon guide m'a laissé au pied de la falaise où s'ouvrent les prisons troglodytes. Ce site lugubre est à l'abandon depuis des siècles. Des tremblements de terre ont détruit les escaliers qui montaient vers les cellules. Puisqu'il m'est impossible d'y accéder par le bas, j'ai résolu d'essayer par le haut. Un sentier détourné m'a conduit jusqu'à la crête des falaises. Au pied d'un chêne, j'ai allumé un feu pour me réchauffer. Ouais. Maintenant, je vais tenter de descendre vers les cellules qui s'ouvrent au flanc du précipice. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu tout-puissant, reste dans la montagne, blablabla. Bon, c'est cadeau. Mais pourquoi on part pas juste avec le sac à dos, hein? Mais tu peux m'expliquer ça, toi?
Bon, je suis arrivé de là-bas. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne vais pas m'en aller sans avoir exp... Ok. Donc, il y a une idée à creuser, mais ce n'est pas tout à fait ça. Oh, c'est sûr, peut-être pas qu'un enveloppe. Je ne vais pas descendre à flanc de falaise sans m'être assuré. Mais non, saute. Je t'ai dit, faut tout lui expliquer à ce doute-là, ça n'a pas d'allure. Bon, attache ton bâton de corde, puis descends. Voilà la grosse cinématique. Jette-toi dans le vide si tu peux ou attends la morsure. Hey! La morsure immonde. Merci. Bienvenue, Bétail, ok. Je pensais que c'était comme un J à l'envers, c'était bizarre pour moi. Hein? Hey, quoi? Il les trucs en parenthèse m'ont placé dans la cellule la plus proche de la chose. Mais moi, Vlad, je ne subirai pas mon destin, j'irai à sa rencontre. Ok. Sens probable de l'inscription. Hein? Oh, sens probable de la description. De l'inscription. Ces prisons et un. Cette prison est un garde-manger, ok. J'ai-tu tout checké, là? À la lueur glacée de la lune, je l'ai vu ramper sur la paroi belle et impure. Des mégots de cigarettes de marque Horizont. Je crois bien que c'est une marque roumaine. Ah ben... Peut-être qu'il fumait, hein? Une faille. Waouh. Elle doit s'être formée naturellement, mais un prisonnier aura pu l'agrandir pour s'évader. Super. Oh, bon, il s'est peut-être pas évadé finalement. J'espère que vous êtes pas claustrophobe. Ouais, mais à part les toutous, pourquoi tu me fais niaiser là-dedans? À moins que je tourne en rond sans savoir. J'ai sûrement fait une erreur. J'ai sûrement fait une erreur. Quoi? Pas de craque ailleurs, où c'est que tu veux que je m'en aille? J'ai sûrement fait une erreur. Ah, hein. Non. Ok. J'ai sûrement fait une erreur. Ouais. Pas d'allure, faire des erreurs de même. Bon, il y a ça là. Comment est-ce qu'on passe ça là-bas? Est-ce que là, je suis ressorti là? Ce chemin-là, je l'avais pas vu. Ah, oh, merde, c'est drôlement fait. Ça me fait bizarre à mes yeux, bon. J'ai sûrement fait... Ah, mais... Je déteste ce poteau de chemin. J'essaie des trucs, mais ça marche pas. C'est tout pareil pour moi, ces chemins-là. Il doit y avoir un indice quelque part.
cœur sortilement. Est-ce qu'il y a un indice qui peut m'aider? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Pas non. Quoi? Mais je comprends rien. J'ai sûrement fait une erreur. Si je vais là, que je tourne de bord, que je vais là-bas. Ah. Ok. Ok. Mais je casse le basic pour rien. Il doit y avoir quelque chose là-dessous, mais la terre est incroyablement dure. Je ne parviens pas à la creuser. Pauvre petit. Bon. On est rendu à une nouvelle place, c'est bien. On avance. Un hôtel creusé de rigoles. Sans doute pour recueillir le sang des victimes. Ah, c'est bien. Les racines. Je ne suis pas si loin de la surface. Ah, mais c'est bien aussi, ça. Ok, on va checker la belle petite porte. Il manque quelque chose. Ah, j'ai cru comprendre, oui, tout qui manquait de quoi. Il manque quelque chose. Non, c'est pas ça qui manque, ça, là. Je retourne pas dans ce trou là, moi c'est certain. Bon. Au pire, je sais pas, jette de l'eau dessus. Il doit y avoir quelque chose là. Oh, je sais pas, peut-être avec ça. Ok. What is that? Oh non, money. Ah, ok. La pierre brillante dissimulait une série de bas-reliefs. Mm-hmm. Les premiers ressemblent aux croquis de Martha. Les autres sont presque effacés. Manifestement, il devait y en avoir 7. Mm. Ok. Attends un peu de... attends un peu. Je sais pas. Vide. Oh, ben pourquoi tu l'as cassé? Qu'est-ce que t'en sais si c'est vide et glaidon là-dedans? Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai ramassé? Pierre luisante. Oh boy, non, ok. Oh, ok, ça c'est pas si dur que ça, là, faire un dessin de pentagramme à l'envers. Un escalier. J'espère que ce passage me ramènera vers mon campement. Ouais, on verra. Bon, un toutou qui s'en va. Ça ne suffira pas pour faire un... cet oiseau blessé doit avoir aussi froid que moi. Okay. La neige a mouillé mon fagot. C'est-tu drôle, hein? J'en trimballe depuis le début du jeu. Ça ne suffira pas pour faire un bon feu. Comment je suis supposé que c'est vous... ah. La neige a mouillé mon fagot. Ouais, ouais, ouais. Ça ne suffira pas... non, non, non. Cet oiseau blessé doit... ouais, ouais, mais comment est-ce que les skis, je peux gosser de quoi ici, bon? Hop. Non. Il faudrait du papier. Le feu va partir, mais il ne tiendra pas longtemps. Cet oiseau blessé doit... ouais, 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 ouais. Faudrait du papier. J'ai du papier. Ça ne suffira pas pour faire un bon... moi, t'as sonné. Ça ne suffira pas pour... le feu va partir, mais il ne tiendra pas longtemps. Oh, je sais. Mais comment je suis supposé pouvoir casser ça s'il veut rien savoir? Ça ne suffira pas pour faire un bon... arrête de la neige a mouillé. Ça ne suffira pas pour...
et qui m'énerve. Tu sais, incompétent. Ok, c'est lui qui a fait autant de traces partout. Là. Bon, puis je m'en vais. Avec cette neige qui bouche la. Venons voir ailleurs. Allons, je n'ai pas le choix. C'est pour une bonne cause. Ok, là ça marche. Ça ne suffira pas pour. Moi, tes amis. La neige a mouillé. J'essaie n'importe quoi, c'est fini pour faire de quoi. Faudrait du papier. Le feu va partir, mais. Faudrait du papier. Si, du papier, le bon temps d'affaire. Ça ne suffira pas pour faire. La neige a mouillé mon feu. Moi, t'as sa mère. Moi, t'as sa mère. Qu'est-ce que je peux prendre d'eau pour essayer de casser ça, moi? Allons, je n'ai pas le choix. Ok. N'importe quoi. Il manque quelque chose. Veux-tu bien te tenir direct? Bon. T'as peut-être ça? Il manque quelque chose. Ouais, non, peut-être autre. T'as, tu le donnes. L'oiseau blessé doit avoir aussi. Non, ok, je veux pas le tuer. Bon. Oh non. Mais qu'est-ce qui me manque? Ok. Cette nuit-là, des visions ont troublé mon sommeil. Oh, ouais, bye bye. Ce songe m'a révélé l'exacte nature de la première épreuve. En vérité, je l'ai déjà franchi en recueillant mon sang dans un flacon stérile. Il me reste à comprendre les 6 autres étapes en ordonnant patiemment la confusion de textes et d'images qui peuplent ma mémoire. Dans le train qui me ramène à Vladoviste, j'ai trouvé une Bible. Le livre s'est ouvert spontanément sur ce passage de Matthieu. Étroit est le chemin qui mène à la vie, et peu le trouvent. Je me suis mise à somnoler, rêvant encore. Et je me suis vu en un lieu solitaire, marchant dans la neige, les pieds exactement posés dans les empreintes de ceux qui m'avaient précédé. Bon. Bienvenue ici. C'était touché cet épisode-là, ça n'a pas d'allure. C'est n'importe quoi, bon. Merci d'avoir écouté, likez si vous avez aimé, abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos et à plus!